bonjour les petits loups. Bienvenue, welcome, je vous l'avais promis et j'ai pas fait les choses à moitié. Regardez, j'ai même pas besoin de coussin pour le ventre. Bon, je vous avais promis une vidéo, on m'avait demandé une vidéo en Père Noël. Eh ben écoutez, j'ai trouvé la vidéo parfaite pour le Père Noël et j'ai plein de choses à vous dire. Et en même temps, je vais pas faire très très long, j'ai pas envie de faire une grosse vidéo. Vous m'avez reconnu, hein, c'est Taskiller85, hein. Bref, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Spéciale dédicace, tout d'abord, à ma Franny. Je vous en ai déjà parlé de Franny, c'est celle qui s'occupe du site Picozette Fran Modélisme. Parce que y a une petite amitié qui s'est liée au fur et à mesure. Et j'ai reçu un cadeau ce matin qui m'a mis sur le cul, je ne l'attendais pas. Perso, j'ai demandé l'adresse de Franny il y a pas longtemps parce que je vais lui envoyer un petit cadeau. Perso, parce que ça me fait plaisir, mais j'en ai reçu un que je n'attendais pas du tout, je vous le montre, vous allez adorer, vous allez, perso, je kiffe, je surkiffe, regardez, c'est magnifique, c'est monté sur une toile, sur un cadre, et c'est une sorte, c'est pas un imprimé, c'est une sorte de sérigraphie. Je ne sais pas exactement, mais c'est magnifique. Donc merci à Franny du site Picozette Fran Modélisme. Je te fais des gros bisous énormes. Le Père Noël t'embrasse, le Taz Noël t'embrasse de toutes ses forces. J'ai trouvé ça génial. Je suis touché, vraiment touché, touché, vraiment profond. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais bref, je vais l'accrocher. Je pense que je vais lui mettre une place juste là ou juste là-haut là, pour remplacer le cadre actuel. En tout cas, je suis super touché, c'est le Père Noël qui reçoit des cadeaux, c'est quand même hallucinant. Donc, quel est le thème de la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien déjà, je vais vous faire gagner quelque chose. Forcément, qui dit vidéo de Noël dit cadeau. Donc je vais vous faire un cadeau, et puis pas des moindres, vous allez voir. Parce que j'ai eu un peu de chance dans mon malheur, entre guillemets. Mais aussi, je vais aussi vous parler de ce qu'on va voir ensemble dans les jours à venir. Vous savez que j'aime bien de temps en temps, quand je reçois quelques produits, faire un petit check de ce qu'on va voir ensemble. Ça vous permet déjà, si vous avez des projets, d'acheter un petit drone pour telle ou telle utilisation. Vous savez que je vais en faire le test et la démonstration. Donc il vous reste plus qu'à attendre quelques jours ou quelques semaines, quelquefois, pour avoir la démo de votre produit. Alors aujourd'hui, bien sûr, donc déjà je vais vous parler de ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines vidéos. Donc je vais vous parler d'un petit, je vous en avais déjà parlé de celui-ci, le petit V-Fly 130 de chez V-Fly qui est absolument génial. Petit défaut de caméra je trouve, mais qui ne gâche rien parce que le drone en lui-même est exceptionnel. Je vous parlerai aussi bien sûr de mon montage perso dans lequel j'ai installé la Stack X F4. Donc la petite tour complète avec la caméra 1080p, un petit peu comme la Runcam Split. Donc faut que je vous parle de ça. Je vous parlerai également d'un petit Ghoul RC. C'est le XF220 de chez Ghoul RC, super mignon petit drone avec des petits ESC 25A dessus, c'est pas un ESC 4 en 1, donc je vous en parlerai aussi, bien sûr, on va faire un petit tour là-dessus. Faut absolument que je vous parle aussi de Bolt Cache. Vous savez, Bolt Cache, c'est celui qui m'avait envoyé le petit qui est là, le petit B05 de chez Bolt Cache. Ils m'ont envoyé un petit chargeur génial avec 6 emplacements différents, avec 3 fiches différentes plus des adaptateurs, mais ce petit chargeur donc qui se branche sur transfo, sur une batterie et à une sortie USB complètement réglable, mais super simple, il n'y a qu'un bouton, est livré aussi avec 5 petites batteries 350 mAh, 3V7 qui sont faites pour, à la base, le Biwoop, le B05, mais que vous pouvez adapter si vous avez besoin sur un autre drone, bien sûr, avec des prises Valkera. Donc, petit ensemble bien sympa, chargeur plus 5 batteries qui peut vraiment dépanner quand on a des petits drones qui marchent en 1S, en 3V7. Et je vous parlerai aussi de AKK. Alors, AKK, ça commence à être connu. De plus en plus, Fred de chez FPV Passion connaît, je crois, puis c'est pas le seul. AKK font pas mal de petits matos, mais ils font aussi des petits récepteurs, ici, des petits VTX, tout simplement. Donc je vous en parlerai avec la HPI Racing que Fred m'avait envoyée, avec la carrosserie bien sûr pour le FPV. Je vous parlerai de ça justement pour le montage FPV sur une voiture, pour ceux que ça intéresse. Donc, très bientôt. Aujourd'hui, alors je pousse tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 drones.
Sur ces trois drones, on va être sur du drone GPS avec caméra, Wi-Fi pour les trois. Deux résolutions différentes, on va avoir du 720p pour deux d'entre eux. Alors vous aurez le Upsan H216A X4 Desir Pro. en fait, c'est la suite du H502, tout simplement. Avec quelques options supplémentaires, petit moteur brushed, faut absolument que je vous parle de ça pour les petites prises de vue, c'est les petits drones qui reviennent pas cher. On a la copie exacte ici, même la boîte c'est la même et les fonctions sont les mêmes, sauf que sur le Upsan on a beaucoup plus de fonctions sur l'application, bien sûr. Là c'est la petite copie de chez JXD. Le tracker, le 518, donc ça, faudra que je vous en parle aussi. Et mon petit chouchou, le JJ Pro X3, qui est là. Alors lui, c'est un brushless, c'est une caméra 1080p. Et alors celui-là, il y a eu une mésentente dans mes fournisseurs, figurez-vous. Je sais, il y en a qui vont être verts, j'en ai reçu un deuxième. Donc les trois drones dont je vous parle là, suivez-moi, ils sont là. On a le JJ Pro X3, on a le Upsan et le H518 ici. Donc sur ces trois drones, je pense que je vais vous en faire gagner au moins deux, c'est sûr et certain. Alors, comment ça va se passer ? Je ne vais pas trop vous parler de ces drones aujourd'hui. Bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Vous avez vu, je regarde encore la petite maison dans la prairie. Hein. Je fais que regarder, j'écoute pas, hein, parce que je peux pas écouter puis vous parler en même temps. Mais on fera une émission spéciale, petite maison dans la prairie, je crois. Je vous mettrai les liens de ces trois appareils dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir les spécificités, ce qu'ils font exactement et ce qu'ils proposent. Sinon, j'organise le concours. Je verrai, peut-être que je ferai gagner les trois encore une fois, mais il y en aura au moins deux et il y aura au moins celui-là à gagner. Et celui-là, c'est pas un joujou. Franchement, il marche bien, il envoie bien, il filme bien, il fait plein de choses bien. Bref, donc je vous mets les liens dans la description, allez voir de quoi il retourne. Et tout ce que je veux pour participer au concours, ça va être simple. Je veux un like, ça serait un minimum. Un partage, si vous avez 5 minutes, ça c'est pas obligé. Mais ce que je veux surtout, c'est un petit commentaire de Noël. Vous me connaissez, j'aime bien les choses gentilles dans ce monde de brut. Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Donc je veux un petit commentaire... Oh, excusez-moi. Oh mince. Tu fermes ta gueule. Bon, c'était un copain à moi qui s'est bien foutu de ma gueule. Miche, miche. Donc mettez-moi dans les commentaires un petit truc sympa pour Noël. Je sais pas, un petit mot gentil. Vous pouvez parler d'un des trois drones, par exemple. Vous pouvez dire, d'ailleurs ça serait bien, vous pourrez dire, moi j'aime bien celui-là. Si... Mais ce sera du hasard de toute façon, parce que ce que je veux, c'est un petit mot gentil pour Noël. Voilà, une dédicace à votre frère, à votre sœur, à votre mère, à qui vous voulez, à un copain, à votre chien. Je m'en fous, mais un truc mignon pour Noël et je ferai un tirage au sort. Et faudra aussi que j'apprécie le commentaire. Je survolerai bien sûr tous les commentaires et après je ferai un tirage au sort et il faudra que ce soit un commentaire sympa, bien sûr. Je ne tirerai pas au sort quelqu'un qui m'a marqué je veux le X3, ça m'intéresse pas. Je veux un petit commentaire gentil. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous avez hâte, comme moi, de découvrir tout ça, toutes ces nouveautés, et y en a d'autres à venir. Il y a eu... Alors oui, petite info, il y a eu des retards chez Gearbest. Alors j'ai bien eu l'explication de Léo, qui m'a dit qu'il y avait eu des gros soucis au niveau des cargaisons, au niveau des envois. Donc il y a eu pas mal de colis de bloqués, mais ça se débloque. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui ont des commandes en cours comme moi, j'attends la J3 Speed, j'attends un autre truc, je vous en ai pas parlé, mais c'est surprise. Bref, donc ça va arriver, vous inquiétez pas. Autre petite info, pour le Dark Max, qui est là. Oui, beau, c'est pas Noël. Pour le petit Dark Max qui est là, pareil. Donc, Furibee Dark Max s'est occupé du souci. On a tous envoyé nos mails. Merci Léo de m'avoir envoyé cette correspondance. Et on a une réponse de Furibee Dark Max qui a avoué qu'il y avait un souci dans leur carte de vol. Donc, à partir de maintenant, ceux qui commanderont un Furibee Dark Max n'auront pas le problème de la carte de vol puisque ça a été résolu. Donc vous pouvez y aller, ceux qui voulaient, qui hésitaient avec le Dark Max, vous pouvez y aller, c'est propre maintenant. Vous ne recevrez pas un engin pipé. Voilà.
Alors, bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Merci à vous de suivre mes vidéos, merci à vous de votre soutien, encore une fois. Gros bisous à toi, encore une fois, ma Franny, franchement. Et puis les Tazou, bien sûr, sur Facebook. Quand je vois tout le nombre de questions, le nombre de réponses et cette petite communauté, franchement, ça fait chaud au cœur. Je sais qu'on a une belle petite famille qui est là. On a même quelqu'un qui est en train de nous faire une carte de France avec les emplacements de tous les Tazou pour qu'on puisse se retrouver à l'occasion. Bref. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, même si c'est pas encore, il y aura encore une petite vidéo entre les deux. En tout cas, amusez-vous bien, portez-vous bien surtout, et à bientôt dans mes vidéos. Oh oh oh!